Série de Taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien. Je suis ravie et contente, comme d'habitude, de vous retrouver, mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un taroscope complet, comme on a l'habitude de faire, parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi, mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà, pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après, pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos et de vous alerter aussi quand je postule une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très 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 belle période de fête, une très belle période de fin d'année et évidemment une bonne nouvelle année, mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Mes chers amis les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, soyez le bienvenu dans votre tirage du mois de décembre 2023. Alors, l'énergie principale de ce mois-là, on va après rentrer dans les détails. Mais déjà, pour démarrer avec l'énergie dominante de ce mois-là, on a la papesse qui va nous montrer déjà l'énergie de démarches administratives, des papiers, des signatures, des contrats importants, des officialisations. On peut être aussi comme sur des contrats de vente ou des contrats d'achat ou peut-être aussi des contrats de travail, hein, pourquoi pas. Mais c'est une carte aussi qui va nous parler également de tout ce qui est formation, de tout ce qui est études. On peut parler de master pour certains, doctorat par exemple, un concours, on se prépare pour un concours ou on va s'engager peut-être dans un concours ou dans une formation. Je vois ici, c'est un mois, si vous voulez, important dans tout ce qui est justement préparation pour la fondation de quelque chose. Hein, c'est peut-être pas forcément le nouveau départ ce mois-là, mais là, déjà, on se prépare, surtout ici, du côté tout ce qui est paperasse, documents, papier, signature, etc. Et peut-être justement, hein, l'année prochaine, que ce soit au mois de janvier, au mois de février ou autre, hein, peut-être c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir concrétiser les choses et mettre les choses en place. C'est peut-être aussi, tout simplement, cette carte aussi, on peut l'associer un tout petit peu à une énergie de bilan, dans le sens où on fait le bilan sur l'année 2023, un bilan financier, un bilan peut-être sur un projet, sur des démarches administratives, sur des contrats, sur peut-être vos études, etc. Et donc ici, voilà, vous posez le pour et le contre par rapport à ce qui s'est passé, et puis après, vous prenez une décision.
Je pense aussi, en dehors de ça, en général, c'est une énergie qui est très calme. Vous voyez, c'est que pratiquement, on voit rien qui se passe, si vous voulez, à l'extérieur. Mais les choses, elles se passent plutôt à l'intérieur, en coulisses, d'accord? Dans certains cas, cette carte aussi, elle peut nous parler de la possibilité d'une grossesse. On peut parler aussi de la possibilité d'un projet qui n'est pas encore dans la phase de concrétisation. On n'est pas non plus dans la phase de l'idée, mais on est entre deux, d'accord? On peut parler aussi d'une rencontre, par exemple, secrète, hein, que ce soit dans le cadre d'une relation triangulaire ou autre. Maintenant, avec les littoracles, on va parler d'espoir, on va parler de positivité, de dénouement positif, des choses qui rentrent un petit peu dans l'ordre. On peut parler aussi d'un retour de la passion dans votre vie. Peut-être que vous étiez un peu dernièrement, vous avez perdu un petit peu le goût, voilà, de la vie, hein. On peut être vraiment sur une phase comme ça, évidemment. Je pense que l'année 2023, elle a été compliquée pour tout le monde, d'ailleurs, hein, évidemment. Mais ici, j'ai l'impression qu'à la fin de l'année, vous retrouvez justement le goût de la vie, vous retrouvez du peps, vous retrouvez vraiment cette énergie de positivité. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est un état d'esprit, c'est une énergie qui va vous accompagner sur les 3 mois à venir minimum. Donc on n'est pas que sur l'énergie du mois de décembre, mais là plutôt quelque part le début de l'année 2024. Donc là, vous retrouvez de la positivité, mes amis les Verseaux. En ce qui concerne justement votre état d'esprit et votre évolution, et d'ailleurs, laissez-moi vous dire quelque chose, votre tirage, les cartes qui sont sorties pour vous, mais c'est du jamais vu. Parce que déjà, sur 8 cartes, on a sorti 6 arcanes majeurs. Et c'est pas n'importe quel arcane majeur, vous allez voir dans l'interprétation, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais là, déjà, il faut prendre un moment, voilà, pour absorber toutes ces énergies-là, parce que là, vraiment, c'est un mois qui est très, très, très costaud au niveau énergétique. Attention, c'est pas négatif, d'accord? Allez. Pour l'état d'esprit, on a le diable qui va nous parler déjà que certains amis Verseau. J'ai 2 choses à vous dire ici. Soit vous êtes tellement concentré sur votre stabilité financière, sur vos chiffres, sur vos bilans, sur vos taxes, peut-être sur vos contrats, vos engagements, voilà. Tellement que vous êtes concentré sur ça que peut-être vraiment on est un petit peu, si vous voulez, sur une énergie d'excès. C'est que voilà, il faut un petit peu se détacher de ce monde matériel, j'ai envie de dire. Maintenant, ça peut me montrer la passion, l'aspect de la passion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, on retrouve le goût de la vie. On retrouve la positivité, on a envie de sortir un peu plus, on a envie d'être avec les amis, avec la famille, on a envie de porter de belles choses, on a envie peut-être, pourquoi pas, de changer de look. Vous voyez, peut-être justement ce côté positif-là qui vous réanime. Maintenant, on peut être aussi dans un mois dans lequel, mes amis, les Verseaux, vous êtes face quelque part à vos propres démons, dans le sens où vous prenez un petit peu les choses en main parce que vous avez envie de couper certains liens toxiques, certains liens négatifs, certaines mauvaises habitudes, certaines peut-être façon de faire, par exemple des addictions, hein, des problèmes de dépendance. On peut être vraiment sur cette énergie-là. Donc, on prend conscience, on prend compte d'un problème, et donc ici, on décide, si vous voulez, de couper les ponts, justement, par rapport à tout ça. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui me dit que on n'est pas dans le déni. On n'est pas dans l'ignoration. On est vraiment ici, on essaye de mettre de la lumière sur la problématique, sur ce qui nous empêche un peu d'évoluer dans la vie. Hein, on est, si vous voulez, très sincère avec soi-même, on est très honnête avec soi-même. Donc, en cas de problème, on le reconnaît, le problème. Et aujourd'hui, on essaye, si vous voulez, de régler ce problème, de trouver une solution et d'évoluer. Je pense aujourd'hui, vous êtes dans une phase quelque part, mes amis, dans votre vie, mes chers amis les Verseaux, dans laquelle vous avez envie d'évoluer, mais pour de bon. Vous voyez, là, vous n'êtes pas en train de mentir, hein, vous voyez, donc là, vraiment, parce que, vous voyez, ça peut être le cas là où, par exemple, on sait qu'on a un problème, mais on est dans le déni, où on ne fait pas le nécessaire pour le changer, vous voyez, voilà, hein, c'est une nature humaine aussi, également. Mais là, au contraire, je vous vois vraiment dans une énergie très, 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 très courageuse, si vous voulez, et en plus, vous avez aujourd'hui envie de prendre les choses en main et faire le nécessaire pour pouvoir, justement, évoluer convenablement. Peu importe le domaine, hein, ça peut être aussi un changement intérieur, à l'intérieur de vous, c'est que, voilà, vous avez marre, peut-être, de vivre votre vie dans les peurs, dans les pensées
limitantes, dans le manque, dans la pauvreté, vous voyez. Et là, aujourd'hui, vous avez vraiment de changer les choses et de trouver le chemin de la lumière. Et c'est ce que vous allez pouvoir réaliser, c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser. Alors, peut-être certains amis Verseau aussi, vous êtes dans un parcours, dans un passage, pardon, de spiritualité. C'est possible, d'accord ? En ce qui concerne maintenant l'aspect sentimental qu'on va approfondir aussi tout à l'heure dans une deuxième partie de la vidéo, on a l'arcane sans nom qui parle toujours de fin de quelque chose et de début d'autre chose. On a ici une énergie d'une transformation. Cette énergie de transformation, des fois, oui, elle peut être marquée justement par un deuil. C'est que vraiment, ça peut être aussi voilà, le veuvage, hein, évidemment. Ça peut être l'idée ici d'un divorce, d'une séparation, la fin d'un chapitre. Mais ça peut être aussi également l'idée que finalement, on fait la paix par rapport à un passé, on se guérit de quelque chose et aujourd'hui peut-être on rentre dans une énergie de nouveauté, y compris une rencontre, une nouvelle histoire, un nouvel amour, une nouvelle personne, d'accord ? On peut être ici dans une phase aussi dans laquelle votre relation, elle change, mes amis. Donc, vous pouvez être marié avec des enfants, vous avez tout ce qu'on rêve d'avoir, la stabilité, la maison, etc. Mais peut-être aujourd'hui, votre relation, elle est en train de se transformer, elle est en train de changer. Vous passez à un niveau supérieur, peut-être, ou tout simplement, aujourd'hui, vous essayez, par exemple, pourquoi pas, en tant que deux, parce que là aujourd'hui vous êtes très confortable l'un avec l'autre, donc vous décidez peut-être ici de, j'invente, hein, vous investir dans quelque chose de financier ensemble. Voyez, donc vous allez approfondir votre relation, vous allez passer à un niveau supérieur d'une autre manière, d'accord ? Voilà. Je pense aussi pour certains amis Verseau, donc là ça va pas parler à tout le monde évidemment, mais là c'est fort probable que vous avez votre passé qui vous visite. Ce mois-là. On peut être sur des retours d'ex, on peut être aussi sur une prise de contact avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui a envie de revenir carrément dans votre vie, donc on essaye un peu de voir, voilà, si vous êtes libre ou pas, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur, est-ce que, vous voyez, on peut être vraiment sur ces énergies-là, donc voilà, moi je vous dis tout, la décision après, ça vous appartient, si vous avez envie de revenir ou pas. Mais de toute façon, on voit bien que vous plaisez, hein, parce que déjà, avec le 9 de Pentacle, c'est que vous attirez, je pense que vous avez pris bien soin de vous, ou vous prenez bien soin de vous, ce qui fait que, bon, si par exemple, un ex revient dans votre vie, on voit bien que vous êtes vraiment irrésistible, d'accord ? En ce qui concerne ici l'aspect carrière, on a la lune, donc ici on peut être dans une phase de remise en question, mais surtout pour moi, ce que je vois ici essentiellement avec cette carte, je vois quelque chose qui est en gestation, donc ici, voilà, encore une fois, les choses qui se passent en coulisses, peut-être on n'a pas le résultat définitif maintenant, mais pourquoi pas, peut-être avec le début de la nouvelle année, on peut avoir une concrétisation, hein, d'accord ? Donc peut-être vous vous formez aujourd'hui. Voilà, vous prenez ce ton-là pour vous former, pour peut-être concrétiser quelque chose sur, dans la nouvelle année, voilà, dans votre carrière. On peut être aussi dans un congé de maternité ou dans un congé de paternité dans certains cas. Voilà, donc on peut être vraiment dans cette phase, dans sa vie. En ce qui concerne maintenant l'aspect financier, c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit que je vois certains Verseaux, vous êtes peut-être, je ne dis pas forcément inquiet, mais je pense que vous êtes très 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 concentré sur tout ce qui est finance, argent, aspect matériel. Je vous comprends, évidemment, c'est votre droit. Maintenant ici, il faut faire attention parce qu'il me semble que vous vous créez, j'ai envie de dire, des problèmes peut-être qui n'existent pas. Je pense que vous avez tellement peut-être peur de quelque chose que vos peurs risquent de devenir une réalité, si vous voulez. D'accord ? Mais les problèmes, essentiellement, aujourd'hui, ça n'existe pas, mais c'est comme si, en fait, vous êtes en train de vous créer des problèmes inconsciemment. D'accord ? Donc ici, on peut parler justement de l'auto-sabotage. Voilà. Sinon, pour moi, dans certains cas, et là, honnêtement, ça peut parler à une seule personne ou deux, on peut parler de dette. Hein, peut-être il y aura la possibilité finalement ce mois-là de mettre certaines choses au clair par rapport à certaines dettes d'ordre financier. Mais encore une fois, pour moi, j'ai pas l'impression qu'on est dans ces énergies-là pour la majorité d'amis Verseau. Je pense ici votre défi, c'est votre état d'esprit. Donc si vous avez un état d'esprit de manque, résistez contre cet état d'esprit et essayez de vous connecter à l'état de l'esprit de l'abondance.
Voilà. En ce qui concerne votre entourage, magnifique, on a l'énergie du soleil qui parle de bonheur, de partage, d'amitié. C'est une carte d'amitié, donc vous pouvez faire de nouvelles rencontres amicales. Vous pouvez apprendre à connaître de nouvelles personnes. On peut parler ici de la joie, du bonheur, du contentement, de belles événements aussi. Évidemment, la fin de l'année, le mois de décembre, c'est un mois de fête dans lequel on s'attend à des retrouvailles, etc. Évidemment, ça peut être ça. Mais en dehors de ça, pour moi, je pense ici que vraiment, voilà, vous êtes gâté si vous voulez, dans votre entourage vous êtes bien, donc n'hésitez pas justement à sortir, à accepter les invitations, à peut-être aussi à vous ouvrir également aux autres. Je pense que là vous serez bien heureux de ça. En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, on a l'énergie de la papesse encore une fois. Donc pour moi, les secrets, les discrétions. N'hésitez pas à dire oui à cette possibilité de formation si vous hésitez encore, ou peut-être à cette possibilité de concours, ou peut-être à cette démarche, pourquoi pas, pour changer de travail. Donc si vous avez de l'hésitation par rapport à une démarche quelconque, une action quelconque, n'hésitez pas à la faire, parce que je pense que c'est ce qui va vous aider à avancer dans votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous manquez justement de confiance ou d'encouragement, mais là je vous dis, lancez-vous, je pense que c'est la période, elle est très propice. En ce qui concerne maintenant le conseil et ce qui peut représenter un défi de ce mois-là, moi je vous dis, mes amis les Verseaux, ne portez pas des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Ne portez pas des responsabilités ou ne prenez pas des responsabilités, des choses vraiment qui ne sont pas... qui ne sont pas justement vos responsabilités à la base. Hein, je pense ici, peut-être vous donnez à fond dans des situations, dans des relations, peut-être dans des projets, dans des choses dans votre vie, et vous vous fatiguez plus que le faut, peut-être des fois pour rien, d'accord ? Surtout ici avec le 10, c'est toujours la question de sacrifice et de fardeau, de pénibilité, peut-être qui n'est pas forcément la vôtre, d'accord ? Voilà, donc essayez, si vous voulez, de taper du poing sur la table quand il le faut, et surtout peut-être aussi de mettre certaines limites, hein, certaines barrières entre vous et certaines personnes, quand il le faut, justement dans le cadre, hein, d'une protection, hein, pour vous protéger, d'accord ? Alors après, pour moi ici, le conseil que je pourrais vous dire, c'est peut-être qu'il faut accepter que c'est la fin de quelque chose, tout simplement. Il ne faut pas non plus résister, il faut juste lâcher prise. Il ne faut pas non plus vous sentir coupable de ce qui s'est passé ou être dans le regret. Ce n'est pas de votre faute, justement. Je pense que certains amis Verseaux, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Ce n'est pas de votre faute, d'accord ? Voilà. Hein, ça va parler à qui ça va parler. Maintenant ici, voilà, c'est la fin. Hein, peut-être, voilà, il faut faire la paix, ou il faut s'accorder aussi le temps de retrouver de la paix, ou de retrouver justement, hein, d'accepter peut-être ce qui s'est passé, hein, dans le but ici d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. Allez, maintenant on va laisser de la place pour le sentimental. Donc ici je vais garder cette carte principale qu'on a vue tout à l'heure, et on va tirer d'autres cartes supplémentaires. Alors, vous avez des énergies énormes, hein, ce mois-là, vraiment. Donc j'attends aussi vos retours, mais regardez, je viens de couper le tarot. Regardez bien ce qui s'est passé. On a la carte de la mort, ce qui est exactement cette carte, hein, voyez bien. Et ici, avec le page, donc là, on est sur une énergie de nouveauté, de nouveau départ. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui peut se passer ici, ce mois-là. Peut-être que vous attendiez aussi des changements importants. Mais là, attendez-vous. Attendez-vous, justement, je pense que si vous avez envie que les choses changent, là, vraiment, vous serez très servi ce mois-là. D'accord ? Allez. Alors, le 7 ici a un besoin de taper du poing sur la table, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Vous sentez peut-être le besoin justement de mettre les points sur les i avec quelqu'un, de mettre les choses au clair. Peut-être on a un problème de communication actuellement entre vous et quelqu'un. Je pense ici que vous vous sentez un petit peu menacé dans votre stabilité, dans votre confort, hein. Peut-être une relation qui demande beaucoup de votre part, d'accord ? Voilà, et je pense ici que, hein, pour certains amis Verseaux à qui peut-être ce tirage vous parle, vous allez prendre le temps pour mettre les points, surtout pour... je pense que vous allez prendre vos distances essentiellement pour essayer de mettre de la lumière sur ce qui s'est passé, d'accord ? Peut-être pour essayer de voir est-ce que ça vaut la peine ou pas de continuer dans cette relation, est-ce que ça vaut la peine ou pas peut-être de, voilà,
de continuer à espérer peut-être un changement, une amélioration. Vous voyez, vous pouvez être aujourd'hui, par exemple, dans un temps de séparation et que tout ce temps-là, vous avez espéré un retour. Mais maintenant, peut-être vous essayez de voir un peu les choses différemment aujourd'hui. Peut-être, oui, le retour ne va pas résoudre votre problème. Forcément, d'accord. Peut-être justement, oui, hein, on peut reprendre contact, on peut revenir par rapport à la communication, mais si le problème à la base n'est pas résolu, ça sert à rien, d'accord. Peut-être que votre autre n'a pas envie de changer, par exemple. Oui, regardez, il y a quelque chose qui vous manque hein, dans cette relation, dans ce que vous vivez actuellement, et c'est ce qui vous pousse à cette énergie de défense. Vous vous sentez quelque part dans le besoin de vous défendre, de fondre quelque chose qui est important pour vous. Voyez, hein, peut-être, voilà, je prends l'exemple banal d'une personne qui a des... Par exemple, hein, vous êtes dans une démarche de rencontre, vous rencontrez quelqu'un, mais vous avez vos enfants, et peut-être vos enfants ne sont pas d'accord avec... ou par exemple, n'arrivent pas à accepter cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Et donc, vous êtes dans une position de choix, vos enfants ou cette personne. Et donc, c'est à vous de voir vraiment, finalement, ce qui est important pour vous. C'est pour ça que je vous dis, vous prenez vos distances pour faire le bilan sur la situation et essayer, justement, de décider. On voit quand même un nouveau départ. Donc, on part du principe que vous allez trouver la solution, vous allez trouver la réponse et vous allez faire un choix. Maintenant, il faut que votre choix, justement, sera basé, hein, ou à la limite, les arguments que vous allez pouvoir mettre en place seront vraiment basés sur quelque chose de solide. Surtout ici, sur ce mois-là, mes amis les Verseaux, évitez de faire des choix sur, par exemple, pour une période de temps intermédiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne faut pas penser à une solution B. Il faut vraiment trouver une solution une fois pour toutes, d'accord? Il ne faut pas chercher des alternatives. C'est ce que j'ai envie de dire. Regardez dans le dodo deck, j'ai la carte du 2 de coupe qui parle bien d'un amour partagé. Donc ici, je pense, mais pour certains, ça peut être ici dans un cadre d'une triangulaire, d'accord? Mais aussi pour d'autres amis Verseau, il est très 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 possible, que vous êtes dans des relations aujourd'hui qui, selon vous, ça arrive au bout. Peut-être ce ne sont plus des relations qui vous apportent du bonheur, qui vous rendent heureuse, hein, heureux dans votre vie. Et donc là, peut-être justement, vous allez vous contempler la possibilité de vous séparer. Peut-être parce que déjà, vous avez quelqu'un d'autre dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui vous intéresse. Ou parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le cas là où cette personne déjà, elle existe bien dans votre vie. Parce que soit vous avez quelqu'un en vue, que vous aimez, que vous appréciez, et peut-être grâce à ça, hein, cette rencontre, elle va vous encourager quelque part à tourner ce chapitre difficile justement pour vous réunir, ou tout simplement vous avez envie, vous êtes à deux doigts de prendre une décision importante, peut-être de vous divorcer, de vous séparer de cette relation qui aujourd'hui peut-être ne vous plaît plus, dans le but de vous libérer pour quelque chose de nouveau, voilà. Mais là je vois vraiment oui, à l'idée d'un carrefour de chemin, mais plutôt d'une transformation. C'est que on finit avec quelque chose et on commence avec quelque chose d'autre. Voilà. Donc ça peut être on finit avec quelqu'un, on finit avec une relation, on finit avec un chapitre dans sa vie et on commence avec une nouvelle personne, une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle vie carrément. C'est un peu ce que je vois ici comme énergie pour vous. Parce que à la base de ça, pourquoi vous vivez ça ou pourquoi vous êtes dans cette transformation, il y a quelque chose qui ne tient pas. Vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas peut-être bien traité, vous n'êtes pas bien respecté, etc. Et donc aujourd'hui, voilà, vous avez envie de retrouver ce qui vous manque, tout court. D'accord? Voilà mes chers amis les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.